TikTok. Bloops, j'ai avalé Cornebidouille. Une histoire de Pierre Bertrand illustrée par Magali Bognol. Pierre, veux-tu mettre cette poubelle dans le jardin, s'il te plaît? Elle ne sent pas très bon. Oui, maman, je m'en occupe tout de suite. C'est très bien, mon chéri. Ah, comme notre petit Pierre gentil en ce moment, apprécia sa grand-mère. Il est si mignon, renchérit son grand-père. Mouais, rétorqua son papa. Dommage tout de même qu'il ne mange toujours pas sa soupe. Pendant ce temps, nos deux petites sorcières chuchotaient dans la poubelle. Nom d'une crotte de bidouille, ce petit morveux nous a encore eu. Pas pour longtemps, répliqua l'autre. Unissons-nous et nous le mettrons à genoux. Et aussitôt, corne bidouilla, deux en une redeviendra. C'est ainsi que nos deux sorcières ne furent de nouveau qu'un seul grain de poussière qui escalada le dos de Pierre. À table, mon chéri, appela sa maman. Il y a un délicieux bol de soupe pour toi. Non, je veux pas, rétorqua Pierre en bâillant. Et je suis fatigué, moi. Mais hop, Cornebidouille en profita aussitôt pour sauter dans sa bouche. Et pss, fit Pierre soudainement. Oh, Pierre, s'inquiéta sa maman. Tu as le hoquet? Non, merdran, mais j'ai avalé de ta verre. Hips! Mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Gronda son papa. Oh, cracra, je crois. Hips! Que je me suis enrubidouillé, répondit Pierre d'une petite voix. Je ne comprends rien à ce qu'il nous raconte, s'affola sa grand-mère. Vite, il faut appeler le docteur. Quelques instants plus tard. Bonjour, mon petit. Bonjour, tracteur. Dis donc, rétorqua le docteur. Tu pourrais être un petit peu plus poli. Mais c'est comme ça depuis tout à l'heure, s'inquiéta sa maman. Il a mal à la gorge et il dit des gros mots. Je crois qu'il a avalé quelque chose de travers. Bon, essaie de dire 33, poursuivit le docteur. Tête de putois. Oh non, insista le docteur. 33. Prout de chamois. 33. S'énerve le docteur. Ce n'est pas compliqué tout de même. Gros tas de caca. Je m'en vais, fit le docteur agacé. Votre petit Pierre a dû faire une indigestion. Une petite soupe et l'apprentissage de la politesse devraient lui faire du bien. Mais docteur, il n'aime pas la soupe, répondit sa maman. Alors, qu'il aille au lit et qu'il se repose. Au revoir tout le monde, fit le docteur en claquant la porte. Au revoir, chou-fleur. Oh, Pierre ! S'exclama la petite famille indignée. Et Pierre fut envoyé au lit sans plus attendre. Cornebidouille profita aussitôt pour descendre dans son ventre. Cette fois, je te tiens, mon petit boudin. Sors de mon ventre, Cornebidouille, s'écria Pierre. Non, mais tu rigoles, tête de gondole. J'y suis, j'y reste. Je vais juste faire un petit brin de ménage, ricana-t-elle sournoisement. Et d'abord un petit coup d'aspirateur. Oh non, fit Pierre en gémissant, ça me chatouille. Oui, un petit bain de vapeur. Ah, ça me brûlouille, se tordit-il en tout sautant. Et décorer cet intérieur. Ouh, ça me picouille, supplia-t-il en transpirant. Tant mieux, petit morveux. Ah, ce ventre appartement me convient parfaitement, dit-elle en se tirant. Peut-être trop petit tout de même. Elle se mit à grossir, à grossir, à grossir. Le ventre de Pierre était énorme. Il a beau tousser, pousser, crotter, rien n'y fit, Cornebidouille était bien installé. C'est alors qu'il eut une idée. Vous avez gagné, madame la sorcière, je vais manger ma soupe. Mais sortez de là, par pitié, sinon je vais éclater,
Eh bien, vas-y, face de pissenlit, mange-la, cette soupe. Mais si vous êtes dans mon ventre, je risque de vous noyer. Ah, c'est vrai ça. Nom d'un pépite de chimpanzé, j'y avais pas pensé. Et puis, je salirai votre jolie chevelure. Ah bon? J'abîmerai votre belle robe de verdure. Ah bon? Et vos si jolis yeux bleus d'azur. Ah bon? Oh, fit-elle en s'étrémoussant. Foi de tourterelle, c'est la première fois qu'on me trouve belle. Mais si je sors, reprit-elle sévèrement, est-ce que tu la mangeras vraiment, cette soupe? Bien sûr, madame Cornevidouille, répondit Pierre malicieusement en se dirigeant vers la cuisine. Eh bien, j'arrive tout de suite, gloussa-t-elle en se rétrécissant. Mais dès qu'il sentit la sorcière dans sa bouche, Pierre se précipita à la cuisine, s'empara de la soupière et cracha Cornebidouille dedans. Sors-moi de là, face de cancrela, rugit Cornebidouille. Sinon, je vais te plumer comme un poussin, te faire manger ton petit lutin, te faire souiller le popotin. Même pas peur, grosse momoche à vapeur. Vous êtes qu'une marboulette en jupette. Oh non! Une tripette de vieille biquette à sonnette. Comment? Une mémé poulette qui pue et qui pète. Comment? Bon ben, madame la sorcière. Non! Hurla Cornebidouille en s'enfonçant inexorablement dans la soupe. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, bonjour tout le monde. Bonjour, mon chéri. On dira que tu as meilleure mine aujourd'hui, se réjouit sa maman. As-tu mangé ta soupe? Non, répondit Pierre timidement. J'ai juste craché dedans. Mais c'est dégoûtant, tonna son père en s'énervant. Pas mal écœurant, insista son grand-père en grimaçant. C'est que j'avais très mal au ventre, se justifia Pierre en se tortillant. Zut, ajouta sa grand-mère en souriant. Et moi qui pensais te préparer ce soir un bon bouillon de pommes de terre. Tu es sûr que tu n'en prendras pas? Non, je veux pas. Fin.